ce qui se passe dans ta vie, l'esprit te prévient. Donc, quand tu demandes parfois une lecture de carte, on te dit, OK, il y a une opportunité qui arrive là. Quand tu écoutes la lecture de carte, ça résonne avec ton cœur. Parce que depuis déjà 2, 3 jours, une semaine, tu sentais, mais tu n'étais pas sûr. La lecture confirme. Et quand ça confirme, 2 jours, 3 jours, une semaine après, 2 heures après, quelqu'un vient m'aider et te dit, j'ai une opportunité de business. Ah tiens, peut-être ça ne correspond pas au genre d'investissement que tu fais souvent. Mais, parce que je crois que dans la Bible aussi, la Bible dit que avant de faire quelque chose, Dieu nous l'annonce. Dieu nous l'annonce. Parfois, je vais avoir, j'ai souvent des oiseaux qui viennent beaucoup à ma fenêtre. Peu importe le pays où je suis, j'ai très souvent des oiseaux qui viennent. Nathaniel, bonjour. Donc, peut-être tu te lèves ce matin-là, tu vois un oiseau là, il pique la porte, il pique la fenêtre, il pique. Prête attention. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et peut-être à ce moment-là, tu vois un peu, non. Il y a un truc, une idée te vient à l'esprit. La lecture, c'est 20 000 francs. L'idée là, généralement, c'est ton... Parce que tes anges sont avec toi. Ils essayent de te prévenir. C'est juste que généralement, tu n'es pas assez attentif ni vigilant pour comprendre. Vous voyez un peu, non? Et il y aura des périodes où tu auras l'impression que tu es devenu accro au traitement spirituel. Parfois, tu auras l'impression que tu es accro aux lectures. Parce que tu demandes la confirmation de ce que tu ressens. Et c'est mieux de demander confirmation au lieu d'aller comme ça, les yeux fermés. Je vous ai parlé peut-être de mettre le sel autour de ton lit, tu parles. Tu peux faire une libation, tu prends le fanta, tu verses au sol, tu parles. Dites-moi si c'est vraiment la personne, si c'est vraiment le business. Tu prends une lecture de cartes, tu demandes avant qu'on recommence les cartes. Tu fais ta prière, tu dis parlez-moi. On peut te parler dans le rêve, par la personne que tu es parti, chez qui tu es parti lire les cartes. Il y a plusieurs façons. Vous suivez, non? Mais toi, tu dois faire quelque chose. Généralement, vous attendez qu'eux, ils viennent vers vous. Voilà.